Allez, on va dire que ça part à 50-50. Le palmarès respectif. Là, on est dans le vif du sujet, Philippe. Une balle de plus. C'est parce qu'elle est remplie. Échoué dans le fil. Trop passif, c'est jamais bon. Jean-Michel qui sert du coup droit. Waldner à l'attaque, mais c'est Jean-Michel Saive qui remporte le premier. Il y a beaucoup de très jeunes joueurs qui aiment regarder ça. Belle conclusion de points pour Waldner. Waldner n'a même pas dû se déplacer sur ce point. C'est là qu'il est fort, il a une grande inconnue parce qu'on ne l'a pas depuis longtemps. Mais Waldner est mystérieux aussi parce qu'il donne l'impression de jouer en marchant comme ça. Mais il est un faux lent. Oui, c'est vrai. Deux balles de 7. Son coach en 1992 aux Jeux Olympiques. Et qui est maintenant sur le service de Jean-Michel. Et la deuxième est la bonne. Il perd 3 points. Changement de distance de Waldner. Oui, absolument. C'est tout à fait vrai, ça. C'est pertinent, ça. Donc Jean-Mi l'a donné tout de suite. Des ajustements victorieux. Ce point-là fait du bien. Les lacets sont faits. Le service maintenant. L'attaque de Waldner. Victorieuse encore une fois. La preuve. Faute sur le service. Qui l'a amené à faire la faute. Je ne faisais pas, il y a une dizaine d'années. Non, mais à l'interview tout à l'heure, je vous conseille de lui montrer ce ralenti-là. On va demander à Vincent Gustin, notre réalisateur. Il parle à tous les points. Il met la pression sur son adversaire. Il essaye de le titiller, mais en permanence. Ça coûte cher à Waldner. Ça peut basculer. Tout de suite. Reste total. Deuxième set. Ça
Oui, c'est sacré difficile. Un point pour justement gagner les suivants, pour entamer les réserves de l'adversaire. Voilà. Ils sont portés volontaires pour. Bien joué. De la... Oh là 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 là. N'est-on pas revenu fin... Ça ne touche pas là. Et la première est la bonne. Le meilleur joueur de tous les temps, Jan-Ove Waldner, qui remporte votre premier ITTF Legends Tour face à Jean-Michel Saive dans une très très grande finale. Vous êtes en train d'applaudir Philippe et il le mérite bien, tous les deux. Nous allons voir.